Le dépistage, c'était un moment dur hein, dont on se souviendra toute notre vie. Mais ce qu'on retient surtout, c'est que c'est toutes les chances que ça lui donne d'être aujourd'hui en bonne santé. Je m'appelle Juliette, je suis la maman d'Agathe qui a 5 ans et demi. Agathe avait 1 mois, donc à sa naissance, elle avait eu le test de Guthrie à la maternité, la petite goutte de sang. Et puis c'était le 31 mai, ça faisait une petite semaine qu'on était un peu inquiets sur sa non-prise de poids depuis sa naissance. Donc on avait échangé avec notre médecin traitant, avec une pédiatre. Et puis on a reçu un coup de fil d'Eugène de Flandre qui nous demandait de venir dès le lendemain avec le papa. Pour vérifier un test pour lequel ils avaient un doute. Voilà. Et c'est là qu'on a appris qu'ils avaient un test sur la mucoviscidose. Cet appel a été un choc, hein, puisqu'on pensait que tout allait bien, même si elle prenait pas de poids pour nous, elle allait bien. Un vrai choc, le ciel nous est tombé sur la tête, on s'attendait pas du tout à ça. Le lendemain, on s'est présenté à Jeanne de Flandre, où là, on était accueillis par l'équipe médicale, qui a été d'une grande douceur, qui a été vraiment très, très gentille. Ils ont dû lui faire un test pour confirmer le diagnostic. Et là, ce test n'a pas été concluant parce qu'elle était trop chétive encore. Et puis finalement, ils nous ont quand même reçus avec la psychologue donc du CRCM, c'est le Centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose qu'on a découvert par la suite, pour nous expliquer qu'ils nous confirmaient qu'Agathe avait la mucoviscidose et qu'ils allaient nous aider dans cette dure épreuve. On a été tout de suite donc reçus par le médecin référent de notre CRCM à Jeanne de Flandre, qui était accompagné d'une psychologue pour nous expliquer ce qu'était cette maladie, puisqu'on la connaissait très peu, très mal en tout cas sur ce qu'elle impliquait au quotidien. Et ils ont tout de suite mis en place la prise en charge médicale et de tous les aspects de la maladie, puisque c'est pas qu'une prise en charge purement médicale. Donc tout de suite, ils lui ont fait prendre donc des médicaments qui l'ont aidé à grossir. Donc ça a été le début du combat, première étape du combat. Dès ce rendez-vous, elle a eu une prise en charge médicamenteuse qui lui a permis de prendre, je crois, 300 grammes en quelques jours. Et ensuite, on a eu des rendez-vous toutes les semaines ou 2 fois par semaine pendant le premier mois, ben pour voir tous les aspects relatifs à la maladie. Donc la semaine suivante a été mise en place la kinésithérapie respiratoire. Donc l'hôpital nous a aidé à trouver une kiné qui était spécialiste sur cette pathologie et en kiné respiratoire. Qui est toujours la même, qui suit Agathe aujourd'hui. Hein, ça fait 5 ans et demi qu'on a la même kiné. Ensuite, on a eu des briefings sur les règles d'hygiène qu'imposait la maladie. Donc ça, c'était une des choses les plus difficiles parce que c'est là qu'on a compris que notre vie serait plus jamais la même et qu'elle serait pas la même que celle des autres parents, mais que ces précautions, elles serviraient à avoir une petite poulette en pleine santé, en pleine forme, qui garderait des poumons au top jusqu'à ce qu'on trouve un super traitement. Donc on a eu des échanges aussi avec la psychologue, une diététicienne, avec les infirmières, vraiment avec une équipe dédiée à la maladie, hyper compétente, hyper à l'écoute. Voilà, et la même équipe depuis le début. Donc ça aide aussi à avoir cette prise en charge avec des gens en qui on a confiance. Le dépistage comme ça, alors qu'Agathe avait 1 mois, ça a permis de dépister une maladie alors qu'elle ne se voyait pas encore, qu'elle n'avait encore aucun effet important sur la santé d'Agathe, et tout de suite de mettre en place un traitement et les bonnes règles de vie pour la faire grandir le mieux possible et qu'elle puisse s'épanouir comme n'importe quel enfant. Le dépistage, c'était un moment dur hein, dont on se souviendra toute notre vie. Mais ce qu'on retient surtout, c'est que c'est toutes les chances que ça lui donne d'être aujourd'hui en bonne santé. Voilà, à 5 ans et demi, la plupart des gens qui la connaissent ne savent même pas qu'elle a une maladie. Ça se voit pas. Et tout ça, c'est grâce à tout le travail de l'équipe médicale et que eux nous ont appris pour la garder en bonne santé. Donc ça, on est très très reconnaissant de cette prise en charge très précoce. On n'a pas eu besoin d'attendre qu'elle ait des poumons abîmés, qu'elle ait des gros symptômes pour pouvoir agir tout de suite. Donc ça, on est très reconnaissant là-dessus. Alors le dépistage à la maternité, c'est un petit examen qui semble anodin.
vraiment voilà une goutte de sang qui vient du talon et qui permet tellement de choses importantes après pour la prise en charge le plus précocement possible d'une maladie qui se voit même pas si on fait pas ce dépistage. Donc c'est vraiment important de le faire et il faut vraiment voir les chances que ça va donner à l'enfant plus tard de pouvoir grandir correctement.